C'est un championnat de nouveau très très compétitif et puis je crois notre but pour la qualification c'est de faire les top 6. Je crois que c'est quelque chose avec beaucoup d'ambition et on doit vraiment bien jouer et puis bien commencer le championnat pour y arriver. On va voir. Je suis aussi curieux, mais je crois on ne peut pas tout changer parce que c'est une équipe qui veut jouer, c'est une équipe qui joue offensif. Et puis nous, je ne pense pas qu'on est capable de jouer sur le résultat. Alors, c'est clair. On va essayer de prendre le jeu dans notre main, mais en même temps, il faut aussi ajuster un peu les idées des nouveaux coachs. Et puis, je pense on va jouer un petit peu plus forecheck, un petit peu plus agressif. Mais on va voir ça aussi. Je suis curieux. C'est un luxe, pas seulement pour nous, à la fin pour tous les clubs dans cette ligue, d'avoir des gardiens comme ça. Mais spécialement septembre, donc octobre, on a tellement beaucoup de matchs que je crois qu'on a vraiment besoin les deux. Et puis il y en a assez de matchs pour les deux. On a beaucoup de joueurs qui sont à la fin de contrat, mais en même temps, on a une nouvelle situation avec des nouveaux entraîneurs. Et puis, c'est pour les deux côtés. C'est les entraîneurs, ils veulent voir les joueurs un peu pour le futur. Et puis, en même temps, aussi, les joueurs, ils veulent voir leur valeur aux nouveaux entraîneurs. Alors, il y a une chose que je peux dire, il n'y a pas un jour que je ne veux plus signé, mais en même temps, on va être pas capable de tout le monde re-signer, je pense. Alors, on va avoir des changements, mais on doit avoir un petit peu de patience maintenant.